Longtemps, les habitants de la Terre ont cru qu'ils étaient capables d'accomplir tout ce qu'ils voulaient. Que la Terre était leur propriété exclusive. Convaincus que leur connaissance matérielle est apte à expliquer toute chose. La tyrannie les a même conduits à nier l'existence du Créateur. La tyrannie humaine a poussé l'homme à oublier ce qu'il est. L'extraordinaire progrès scientifique que l'humanité a connu au cours de ces dernières décennies a mené l'homme au pouvoir arbitraire et au despotisme. La Terre et ses habitants se plaignent de son oppression et de sa domination abusive. Seulement, tout cela s'est dissipé et a disparu en une nuit. Les plans du futur sont restés enfermés dans des tiroirs. Aucune disposition n'a pu être engagée. La science, si confiante, est déconcertée. Nous avons reçu les plus grosses gifles. Ce que nous pensions être le contrôle total de la Terre n'est plus qu'une illusion. Soudain, toute la vie a basculé et elle s'est finalement retournée contre nous. Ce monde tout séduisant autour de nous, les routes bondées par la circulation, les bureaux, les cafés et les places animées, tout est devenu silencieux. Un silence total. Les villes habitées par des millions de personnes se sont vidées. Les usines géantes se sont arrêtées. Les maisons sont devenues de véritables prisons pour des millions de personnes. La mort est parmi nous. Nous nous interrogeons sur ce qui nous attend après la mort. Or maintenant, ce que nous croyons être si loin, en définitive, ne l'est pas. Le son de la terre s'est adouci. Les âmes humaines ont cessé de poursuivre leurs désirs. Les humains sont prêts à écouter l'appel de la nature, de l'instinct et du bon sens, prêts à revenir à leur foi en Allah qu'ils ont perdu. La voix de la vérité est enfin arrivée à nos oreilles. Elle nous appelle et elle nous demande. Elle relève le voile qui a longtemps couvert nos perceptions. Sans celui qui se suffit à lui-même, gloire à lui, nous serions certes totalement démunis. Sans le fort, sans le tout-puissant, nous demeurions certes faibles. Sans le vivant, sans l'éternel, nous serions néants. Alors comment pourrions-nous y échapper? Cet appel est en nous. Pourrions-nous le fuir? L'appel de l'instinct qu'Allah a placé chez les hommes quand il les a créés. Cet instinct par lequel nous connaissons notre Créateur, le parfait, vers qui le retour est définitif. Cet instinct qui nous indique l'existence d'Allah, qui nous lie au Tout-Puissant, qui nous rappelle qu'Allah a ce qui nous manque et ce dont nous avons besoin. Cette voix n'est-elle pas à nouveau une nécessité pour nous? Par conséquent, fais taire toutes les voix autour de toi, et ensuite, écoute attentivement. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز